J'écris un livre, voilà. T'es en train d'écrire un livre, toi? Oui. Bon, écoute, oublie, c'est pas grave. Non, bah non, t'en as trop dit, là. Attends. Un livre, quoi faire? J'ai deux éditeurs qui m'ont appelé aujourd'hui. Grémillard, bah, c'est la maison d'édition la plus prestigieuse. Je suis très impressionné par votre livre. Je me dis, si Léa, elle y arrive, pourquoi pas moi? Je crois que je vais me mettre à la sculpture. Depuis qu'on en parle, j'ai plein d'idées, là. Paul Valéry dessinait une demi-heure avant d'écrire. Rimbaud, il prenait de l'opium. Et moi, je lessive les placards. Pas con. Tu peux pas envoyer ça à des éditeurs. Le mari est vraiment trop con, on va me reconnaître. Il y a un cheval là-dedans. J'essaie de le faire sortir. Il y a un cheval à l'intérieur, là. Ah mais il doit se faire chier, hein. Non, je vais faire un poney, tiens. Ça va plus vite. Je sens tellement que la littérature, c'est pour moi. Ça me rend dingue que Léa m'ait volé mon art. Et j'aimerais vraiment que tu le lises. Ouais, attends, là, parce que c'est le moment de la série où on va comprendre qui est le tueur. J'ai écrit un livre, il y a plein de gens qui l'achètent. J'ai enfin trouvé mon truc. Ouais, c'est dans la casserole en fait. Du coup, bah, je passe un peu à la télé. C'est rien du tout, hein. Ça va s'arrêter. Hein. Tu m'offres la moto, la chambre d'hôtel et tout, je peux pas. Je peux pas être un mec entretenu, voilà, c'est tout. On était bien comme on vivait avant, bordel, non? Avant, c'était simple. Je disais un truc, elle écoutait. J'ai adoré votre livre. Je pourrais faire une photo avec vous. 250 000 exemplaires vendus. Je crois que c'était rien du tout. Moi, j'en ai plein des photos de toi, hein. Oh, je vais les vendre. Tu ne seras pas un petit peu jalouse, toi, par hasard? Absolument pas! Je vais me mettre au bonsaï japonais. Ça peut plaire, hein? Non. Si ça, c'est publié, je veux dire, moi, je suis hyper publié, non? Léa, justement, trouve pas que... Elle a grossi? Non! Ah. Grosse tête? Ah ben voilà, tu vois? Toi aussi, tu le dis.